ce maquillage, on commence par appliquer la base à paupières de Poupa. Puis, avec n'importe quel ombre à paupières mint ou bleu pâle, on va aller l'appliquer partout sur la paupière avec notre doigt. Vous allez tout simplement tomber en amour avec la nouvelle palette Princess de Poupa. Dépêchez-vous parce que c'est une édition limitée. Ici, je vais aller prendre la couleur blanche nacrée et on va aller l'appliquer sur l'arcade sourcilière et dans le coin interne de l'œil. Ensuite, avec un pinceau plat, on va aller chercher la couleur taupe qu'on va aller appliquer dans le creux. Les couleurs de la palette sont magnifiques et extrêmement pigmentées, donc commencez par construire la couleur. On y va un petit peu par petit peu. Après avoir appliqué la même couleur sous les cils, on va aller blender avec un 217 de MAC au-dessus et en dessous. Puis on va aller prendre la couleur corail, puis on va aller l'appliquer par-dessus notre couleur taupe et on va aller mélanger le tout. Ensuite, avec la couleur beige, on va passer partout et puis on va aller mélanger toutes les couleurs du creux jusqu'à l'arcade sourcilière. On termine par une touche de rose pour donner un effet bonne mine. Sincèrement, j'adore tout de cette palette, mais particulièrement le eyeliner. Le petit pinceau qui vient avec est extrêmement précis et j'ai absolument rien à dire sur le liner. Et on va aller terminer avec la même couleur taupe qu'on va aller mettre sous les cils pour intensifier un peu le tout. Et avec mes doigts, je vais aller estomper. Puis on va aller appliquer un crayon Kohl blanc sur la muqueuse du bas pour aller donner une belle lumière. Vous savez à quel point j'aime le XL Booster, j'ai rien à ajouter. Ici, par-dessus, j'utilise le nouveau L'Oréal Butterfly. Un petit peu d'amour pour ma darling. Et un nouveau coup de cœur de la collection Like a Doll de Poupa, un nouveau blush ultra pigmenté qu'on va l'appliquer partout sur la pommette. Je fais un mélange ici de Pretty Please et de Azalée de MAC pour avoir une lèvre couleur rose poupée. J'adore Azalée parce que c'est une vraie couleur rose bonbon, seulement il est ultra crémeux, donc il faut aller l'appliquer en tapotant sur la lèvre. Et voilà, vous avez votre look chocomint pour les fêtes, super lumineux, très doux et ça va vous donner un petit air de princesse. A big thanks to Morgan Hillis for her song, Monday's Mistake. Okay.